Alors, si je me rappelle bien, on commence une nouvelle zone. C'est ça. Ok. C'est ça. Hi. Du coup, on va clairement aller là. 1200 quand même. Donc, j'avais fait les sorcières, j'avais fait le dog. J'ai pas l'impression de pouvoir monter là. Si ça passe par là, ouais, c'est parti. Prudence avant tout. Sous ton roue. Il y a un peu de route quand même, hein. Il y a des points là. On va voir ce que c'est. Ok, c'est juste une petite zone. Je peux prendre les flèches ici. La clé elle est là-bas. Oh putain, je le shoot pas lui. It's a trap. Richesse collectée? What the fuck? Elle a vu la flèche. J'ai fait un carnage là. Trop fort l'arc en vrai. Par là. Ok. Je le tue pas. C'est bien, j'ouvre les portes, mais... Je sais pas comment y rentrer. Putain, j'en ai ouvert des portes, j'ai pas ouvert les bonnes ou quoi?
Ah, j'ai ouvert une porte, je crois. Oh, ouf. Ouais, je vais le laisser tranquille. Pas descendre par là? Si. Ah, j'ai perdu mon buff festif, je pense que tu le perds en mourant. Ah, jure. C'est fermé aussi par là. Croire. Tu dois être bloqué depuis l'autre côté. Là, il y a un trou, il y a une fenêtre. Ah non, j'ai bien le buff festif. Ezekiel qui m'écrit, c'est sûrement pour jouer à des BD, mais là j'avoue que je ne pense pas que je vais y aller. Complicado pour choper les richesses. Le truc est là. Caserne. Oh, faisait longtemps. Colchester. Ah bah il y a aussi un jeu. Okay. Pas mal de trucs à faire dans cette ville apparemment. Bon matin, bon matin. Je représente la dame Hélène de Colchester, adepte renommée des joutes oratoires. Tu désires une audience? Je ne connais pas cette personne. À en voir ta tenue, cela ne m'étonne guère. Quoi qu'il en soit, souhaites-tu la défier? En oui. C'est folie, mais la grâce de sa présence sera à nous. Dame Hélène, oh. Ah, un paysan. Et voilà. Une somme dérisoire. Elle va comment? On m'a parlé de toi, ce n'était pas en bien. Du mouton, tu partages le parfum. Quant à moi, mes vers en chant. Et c'est beaucoup plus qu'elle ne peut supporter. Oh mon Dieu, lamentable. Tu te crois très doué, mais j'avoue m'étonner. Mais je crois que nos talents... Les
Les mots mieux... C'était pis... Je dois reconnaître que... Mais... Ok, je me fais clash. Cours. Et à qui as-tu bien pu... Ton... J'espère... Crois-moi. Bon matin. Bon matin. Tu... J'avoue que je l'ai pas, elle, parce que c'est pas les... Elle va... On m'a parlé quand... Parle. Oh mon Dieu! Tu te crois, mais je crois. Alors, quatre. C'était pi. Je dois re. Mais je. Fous de ma gueule? Cours. Et à qui y a. Ah! Ton... Crois-moi. Bon matin! Wesh. Bon matin! Tu sollicites. Cette. Je te. Madame! Oh, ce. Avant de commencer. Du coup, si je mets ça, je récupère tout. Elle... On m'a parlé quant à moi. L'enchanteur. Oui, pop. Tu te crois, mais je. Alors, que. C'était pi. Merde. Je dois. Mais je. Merde, je sais plus ce que c'est. Le. C'était assez. Ton manque. J'espère. Crois-moi. Je me fais ken. Bon matin. Bon matin. Tu... C'est... Je... Madame... Oh, ce... Avant de comment... Et... Elle va... On m'a parlé quant à moi. L'enchant... Oui. Tu te crois très... Mais... Je... Un coup de chaud. Je dois... Mais je... Toi... C'était ta... Ainsi, il a parlé. Putain, je galère. Merci. 150, donc 300, j'ai perdu 200, 400, j'ai perdu 100, quoi. Là, il y a des trucs, ok. Vers là aussi. Je pense que je vais faire ça, 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 et je remonte là. L'église de Sancta Elena. Ah, une clé encore et toujours. Donc les deux sont au même endroit. Là il y a une clé mais je sais pas si c'est pour ça quoi. Je pense, on va pas se leurrer. Ah putain, je les ai ratés. Ah le bâtard. De la tour de l'église. Ivar, putain, hop. Forcément, je peux pas sortir. C'est bon, j'ai cassé une vitre.
Ok. Wesh. Voilà. Message de haine. Pourquoi ils mettent une clé là ? Complètement con. Il s'est mis devant le con. Ce qu'on appelle une flèche perdue. Tu comprends que ça puisse arriver du coup. Hop, du coup je suppose qu'il y a encore une porte, c'est ça? Ça fait un petit bruit. Non, bizarre. Ça par contre c'est sûrement une... Ouais vu l'endroit. Je vais aller au marchand aussi acheter du minerai. On manque quand même pas mal. Avec un peu de chance, ça va dans la bonne direction. Non, forcément. Qu'est-ce que c'est ? Cours ! Un marchand là. Hey, bonjour. Cela pourrait être très utile. Oh, voilà une très belle fabrication. C'est exactement ton style. Qu'est-ce que t'en sais? Faire des réserves est toujours judicieux. Il ne faut jamais ergoter sur les réserves. Tu pars déjà. Foule.
merde. Hey. Boum. Qui sait, c'est peut-être ton vieux. Oui, des eaux de chance. La chance sourit. Allez. Très bien. Toi, tu... Elle a pas pris le vol. Ça fera l'affaire. Putain, que je me trompe de touche. Il est en full attaque aussi. Oh le bâtard! Faire comme ça. Oh, fais preuve de clémence, veux-tu? Ça fera l'affaire. Bye bye. Je commence à m'améliorer.
Une défaite écrasante. Je ne peux pas rester sur un tel échec. Recommençons. Non. J'arrête l'horloge pour l'instant. Une partie d'horloge pourrait changer ton destin. Ma folie du jeu a soif d'un nouveau défi. Alors... Encore, punaise, mais pourquoi je les vois pas sur la main? Comment? Il est où? Faisons tomber cette crevure! Tu lui tranches les mains avec. Pourquoi il court lui? Que les Henri Pop. Je me rappelle dans les premiers Assassin's Creed, tu montais comme ça avec des gardes au cul, ils te balançaient des pierres, tu tombais comme une merde. Cet endroit a dû être impressionnant, il y a longtemps.
Bah alors Yada, t'es sur le stream? Tu es en invisible? Attends, on va voir si tu es là. Ah putain, j'ai trop sauté. C'est quoi cette eau, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. C'est chiant. Bon, ok. Finissable cette ville. Oh. J'ai trop de trucs encore à choper là. Maison d'Eldormal. C'est dans sa maison. Il semble que l'Elderman Birstan ait fait de cette ruine sa maison longue. Il a vidé le tonneau. Maudit Birstan. Sa maison est aussi mal tenue que ses terres. Estrid est une bonne épouse. Il ne la mérite pas. Tu peux parler, Edred. Ta femme n'est que une fille en jupon. Ma souhaitée est une femme d'honneur, Saligo. Comment est-ce que je me... Saligo, il est... Elle trouve surtout les... Seigneur. Ah, un... Je cherche Birstan. Notre seigneur n'est pas chez lui. Mais si tu vas la voir, elle trouve surtout les trucs. Birstan serait bien de revenir. Il ne veut pas voir autre chose que du vin sur son sol. À l'étage, d'être là. Cette attente est une épreuve pour nous tous. Tâchons de rester courtois. Les vassaux de Birstan vous manquent de respect. Oh, coucou. Toi, un seul de mes cris et les gardes à courant. Range ta lame, madame. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Ici à la demande de ton époux. Encore un Danois. Je suis Estrid, la femme du seigneur de l'Essex. Tu ne sembles pas comme les gens disent. Je ne suis pas née dans cette région de marais et de collines brumeuses, Dieu soit loué. Je viens de Francie. Oui, c'est mon grand-père a marché en terre franque. Il a parlé d'une soif de conquête. Hélas, mes conquêtes personnelles se limitent à des vassaux mesquins et à des... J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de... Il est certainement en forêt, à chasse. C'est pour une de ses affaires. Si je le trouve... Ah, oh, ce serait un miracle. Son lieu de... Avec de la chance, aucune ne l'aura mangé. Ok. Ah putain, ils me font redescendre, des bâtards. La patience est une vertu divine. Même les saints n'ont pas la patience d'attendre que Birstan renonce à la chasse. Cher Estrid, nous devons discuter des affaires de l'autre côté, avec ou sans lui. Truc romain,
Ok. Je rentre dedans. Ouais, fait. Quel enfer! Ah, en fait, c'est juste là. Ouais. Du coup. Ah, bah si, Ok, je pense qu'il faut prendre les escaliers du coup. Les deux sont plus bas. Comment je descends? Eh bien. Faut que je trouve une bombe maintenant du coup. Ah, ils font chier, putain. Non, c'est loin trop. Tu vois pas les explosifs, je crois, avec les corbeaux. Passer, je pense. Non, c'est pas passé. Passez. Thank you.
bon. On a trouvé l'entrée. Ok, super, ce sera sûrement la sortie. Oh, un truc des Templiers, un bureau secret. Je deviens fou. Ouais, y a bien un truc sous l'eau, en tout cas vers là. Il me faudra une des clés. Je dois passer de l'autre côté.
Putain, je trouve pas, ça me gave. Capuche de ce qu'on ne voit pas. Ils sont complicados les trucs à récupérer là. Ça prend pas mal de temps quand même. Bon. Ça fait combien de temps? 50 minutes que je joue, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai rien fait en fait. On a parcouru à droite à gauche, j'ai pas fait grand chose. Sors de là et subis la justice divine, démon! Oh, qu'est-ce qu'il veut sur quoi prier? Nous prions pour avoir la force d'affronter. Nous l'avons souvent vu nourrir les bêtes sauvages. Vous en êtes sûr? Vous autres chrétiens... Les oiseaux de ce bois sont agités et attaquent sans... Sois-en sûr. Celui qui marche à l'envers est parmi nous. Vas-y, rentre. Est-ce l'antre d'un homme ou d'une bête? D'une... Pourquoi un ours? Tu as pour compagnon un ours. Les animaux, mes amis. Je les entends. Ils... Mais as-tu déjà envoyé tes... Ceux qui font mal à mes amis ont mal aussi. Tu n'as fait que défendre ceux que tu aimes.
Il ne faut pas tuer. Je ne veux pas. Ouais, non, il a rien fait de mal. Il a son ours, on va le laisser tranquille. Quand les moines cassent les couilles. Il a tué. Ou la langue du... Ah merde, je voulais pas faire peur. Enfin, je voulais pas l'assassiner. Merde. Je crois que du coup il va pas être content. J'ignore si tu es ce qu'il... Ma lame, c'est... Le sang appelle le sang. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah, désolé frérot. Le trou du diable. C'est pas dans la galère avec la galaxie, ça. Attention, on va rentrer dans l'anus de Satan. Ah tiens, vas-y go. Faut que je réponde à l'autre aussi. Par contre, ah, il a un cheval. Ah ah, et il a un shield, et ça va pas être facile. Ah non, je mens. Ouais, avec le loup, c'est trop bidon. Un objet aux marques étranges, j'ai reloué une tablette. Dans le royaume de Freeze, nous honorons tes semblables. Païen. La perfection. Là, c'est celui là-bas. Je m'occupe de ce. On se casse. Oh, il y a plein de trucs aussi là. Infinissable. Oh, ça c'est des clochards. Merde. Sur toi. Bloqué depuis l'autre côté. Bloqué, 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 oui.
pas de fenêtre en fait. Si là. J'ai été mis en combat. Ça me fout les nerfs, ça. Franchement, quand je trouve pas les entrées, je deviens fou. C'est vraiment ça, faut vraiment que tu shootes en l'air. C'est pour ça qu'il y a autant de flèches. Voyons un peu. Non, parce que non, les fenêtres sont fermées. Donc, de toute manière, c'est pas ça. Je sais pas. Choper les autres, parce que ça me gave là, mais... Il m'a jeté un sanglier. Tu vas avoir ce modèle. Je deviens fou. Pas très bavard les gens sur le stream. Je sais même pas qui y a. J'ai vu Yada en furtif.
Comment j'accède à ce truc de merde? Pas trop dans la toiture. Franchement, je ne sais pas. Bloqué depuis l'autre côté. Tu n'en sais absolument rien. D'entrée nulle part. Il n'y a rien à casser. Et là, est-ce que ça je peux casser? Non, je vais regarder. C'est dans les sexes, je crois. Alors. Ta mère, putain. Quoi? Alors attends. Il est parti aux toilettes. Non, je suis là. Salut. Non, je suis là. Je regardais comment ouvrir cette putain de porte. Et du coup, c'est comme ça, en montant sur le pilier. J'ai dû check. Je trouvais pas. Ça faisait 5 minutes, 10 minutes, je cherchais. Comment ça va, Watch Me Fall? Bienvenue sur la chaîne. Voilà. Putain, une galère. Hein.
fait tout ça, on peut retourner. Il est parti aux toilettes. T'étais à ce niveau-là hier et t'as trouvé la faille. Ah là, moi je trouvais pas. Je me disais que, en fait, j'ai vu en plus juste avant, j'ai regardé le toit. Et je me suis dit pourquoi il y a un trou de ce côté et pas de l'autre. Mais j'avoue que j'ai pas pensé à me mettre sur le pilier pour trouver une ouverture. Mais des fois c'est un peu chiant, je trouve. Franchement, il y a assez de choses à faire dans le jeu pour pas galérer pour un lingot de merde 10 minutes à trouver une entrée quoi. Salut Gwendo. Ouais, mes yeux, Zinine. De retour, cette fois je te demande pas si t'es un bot, c'est bon. Je le dirai plus. C'est agréable, mais espérons que l'Elderman n'est pas devenu la proie. Comment ça va depuis tout à l'heure? Un camp sanglanté n'annonce rien de bon. Ils ont été attaqués par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Ok, on parie sur quoi? Un ours? Un ours, allez, on parie sur un ours. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. J'espère bien, promis. Plus jamais. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièces par une bête de grande taille. Bah écoute, ça va. Comme un dimanche pépère, quoi. Merci pour le follow, Watch Me Fall. Ça fait plaisir. Tu streams aussi, vu que t'es sur Assassin's Creed à peu près au même niveau que moi, ça peut être cool. Imposante à laisser ses traces. Je sache si je te follow back. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Des grandes bêtes. Espérons que Birnstam est toujours en vie. Cherchez Birnstam. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Bah tu vois, Gwendoline Watch Me Fall, elle est venue me parler avant de me follow. Ce qui me prouve que c'est pas un bot. Saisis ton arme, ou de ton corps les bêtes feront ça. Ah, c'est un ours, j'ai gagné. Voilà qui fouette le sang. T'es le tanky. Il bouge pas. J'ai rien dit. Il bouge. Censuré par le buisson. Tu as ma gratitude. Ah bah oui, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit. Dieu et les saints qui t'envoient. Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thanes de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Mais faudrait que tu m'ajoutes, Gwendo. Si tu veux, on peut jouer à DBD une fois ensemble. C'est toujours cool de jouer. Parce que sinon, je joue jamais survivant en fait si je suis tout seul. Et nommer l'animal à la tête de l'Est. Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes, soyez. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Tu n'es pas comme tu es. Je vais proposer une alliance en échange. Tu es exceptionnel. Par Dieu, oui. Tu as bien raison de pas être comme les autres. Je suis heureux que tu aies répondu à mon appel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à point nommé. Cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ouais, attends, je te l'écris. Au final, c'est le même chose que mon Twitch, mais sauf que c'est le tiré du 6. Ton peuple a sacrifié. Le tiré du milieu. Attends. C'est vrai. Je te le fais d'une main. Cela n'apaise pas mon cœur tourmenté. Hop. Pourquoi m'as-tu fait venir? Crois-tu à l'amour? Hop, hop, hop. Hop. J'ai déjà aimé. Merde, vraiment, du coup je regardais pas. En es-tu sûr? Paf. As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre te paralyse? Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien moi j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estrid, mon épouse, manque. Bon, je vais répondre à mes messages en même temps. Senti de l'aube, froid et mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vue. Pour tenir tes hommes. Non, il l'adore, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment attentionné. J'ai toujours été assez empoté. J'écoute rien à ce qu'il dit. Il dit des choses intéressantes. Il a juste l'air d'être un putain d'amoureux. Ma main préfère. Pourquoi je suis en danger? Un bon arc
et mes yeux se plissaient à la vue d'une proie. Oui, une couronne peut être un fardeau. Alors courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Rôdons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Birstan. Putain, si je le suis pas, il avance pas, quoi. Ne t'inquiète pas, les gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Si tu penses que je m'inquiète, tu me connais mal. Tu as bâti ta ville sur les ruines d'une autre ? Non, les bâtisseurs ont sombré dans l'oubli. Mais quelle avancée comparée aux maisons saxonnes en Torcy. J'ai l'ambition de construire un grand palais un jour, avec des mosaïques et des cours embaumées. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Les inévitables... Comme il a l'air chiant, le mec ! Il s'arrête pas de parler, putain. L'imagination, le talent. Et la population ? Est-elle heureuse en Essex ? C'est une question que je ne me pose jamais. J'imagine que vous... Ouais, j'ai eu l'invite, Gwendo. Du moins, je l'espère. Je vais t'accepter. Elfred pense que je dirige comme un poulet sans tête, à battre des ailes et à couiner pour des futilités paysannes. Est-ce qu'il intervient ? Non, il réprouve. Mais n'est-ce pas infiniment pire ? Ah, regarde. Nous approchons de Mara. Je dois affronter les loups sur mon seuil avant que nous ne discutions de ta faveur. Je peux peut-être t'aider à... Je peux peut-être t'aider à régler ça plus rapidement. Bon, hop, 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 hop. Ok. Du coup, je t'ajoute... Tu es prêt à aider à écarter les lances de leur mécontentement ? Laisse-les exposer leurs griefs. Si je le peux, je te conseillerai. Ah. Qui est ce Yves ? C'est Bat... Bat Girl, Bat Woman, je me rappelle plus. Je t'ai ajouté. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu es une honte, Birstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred ? Oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ses... Bon. Putain, j'ai pas dû... Vas-y, c'est... Elfred se lassera bien assez tôt. Les chats. On doit la présence des hommes d'Elfred à la tentative d'enlèvement. Et toi, Wyatt, j'aimerais parler de la fête du Lammas. Pourquoi y consacrer ? Ah, genre, il sait pas répondre. Ouais, ouais. Faut souvent prendre tôt son repas. Le festin, oui. La fête ! Et toi, Aldrich, j'abdue aussi. Je n'ai qu'une inquiétude, Birstan. Le Firt. Pourquoi envoyer à Elfred des hommes pour... Ne défendent-ils pas tes terres ? Tu auras besoin d'autant... Les Danois forment une grande menace quand on les provoque. Ce qu'on ne peut avoir... Voilà. Tu es là, on... Un incapable. C'est vrai. Quoi ? Vous êtes toujours là ? Partez ! Ils sont chiants, putain. Ils ont cessé... Ça a l'air chiant, cette zone. Un bon résultat, Eivor. Un modèle d'équilibre. Ce qu'il faut, c'est une main ferme. Putain, j'ai envie de dire... Soit sur l'arc ou sur le gouvernail. Parler ainsi de la chasse me fait regretter les bois. Le mec, il a encaissé une flèche dans le dos. Ne crains-tu pas qu'un autre homme mouille ton lit marital de sa sueur ? Ah, qu'elle fasse comme elle l'entend. Et j'en ferai de même, d'ailleurs. Ils sont pas les couilles. Danois, tu as réussi l'impossible. Mon amer amour. Un visage... Des hommes ont bu la bière offerte par... Non, voilà une... S'il me regardait avec autant de fougue qu'il en montre quand il chasse le cerf, notre union vivrait peut-être encore... L'amour qui vous unit s'est étiolé. Il y a si peu de différence entre... Alors ? Il s'agit d'une affaire de cœur et non d'état. Il y... Nous voulons notre liberté, et... Je suis une arme trop tranchante pour une pareille tâche. Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas. Votre dieu ne laisse pas les maris... Notre dieu, notre roi, les obstacles à une séparation joyeuse. Expliquez-vous clairement et je ferai ce qu'il faut. Nous avions un plan. Un plan... C'est chiant. Une femme perdue. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en France. Même s'il a réussi. Certains des miens réclament d'être payés, mais ne font rien. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement ?
tout est détruit. Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Pendant la fête du Lamas, devant les yeux. En fait, je dois l'enlever. Gardes et paysans. Ton retour en Francie exige un navire rapide. On pourrait demander. Je l'aurais cru épuisé. Retrouve-moi au marché, Eivor. Il faut beaucoup de victuailles et fort. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention. Et la femme trouve. Une fleur printanière. Alphida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a 20 ans. Cette fille de barbarie. 20 ans. Tu penses. L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chambre. Elle habitait la dernière maison de Meldon. Un petit endroit charmant. On est d'accord que c'est l'enfer, là. Je suis pas le seul fou. Je te souhaite bonne chance, Eivor. On est dans Assassin's Creed ou dans Les Amours sur France 2? Franchement, ça me donne même plus envie de jouer. Je crois qu'on faisait des trucs sur le côté là. Ah bah oui. Tout le monde est parti, tu m'étonnes, c'était trop de la merde. Franchement, trop de la merde cette quête. Qu'est-ce que nous avons? Mais ouais, vraiment infernal. C'est comme je veux ici, c'est chiant. Il va me dire passer en anonyme. Ça se calme. Je vais m'occuper de toi d'abord. Et maintenant, mon mariage n'a... Peu t'importe de quitter cet endroit? Si. Mais qu'est-ce qui m'y retient, après tout? Un mariage sans amour, et les tombes de mes... La Francie t'a-t-elle toujours... Oui. Enfin, surtout mon rang, et la... Et notre projet, le grand enlèvement du Lama... Oui, c'est une soirée merveilleuse. Des gens à l'esprit embrumé et au recul... Le navire qui doit... J'en connais un. Et il a un capitaine plein d'armes. Ce capitaine, qui est-ce? C'est à peine plus qu'un enfant, mais fort comme un homme. Il vient d'avoir 17 ans. Il a la fougue de la jeunesse. Il est saxon? Danois. Mais Edred est traite de pillard. Il dit que vous êtes venu voler l'Angleterre. Certains, peut-être. Moi, je suis venu pour m'installer sur un lopin de terre. Je ne suis pas pressé de retrouver les hivers de mon enfance en Norvège. La Norvège, oh, ce doit être magnifique. Sauvage et redoutable, et froid comme tout dans le nord gelé. Si froid que la lumière reste accrochée dans le ciel. Une route pour les Valkyries qui emmènent nos guerriers morts vers leur banquet éternel. Un banquet éternel, en voilà une belle fin. Oh.
Nous y sommes. C'est un bordel. C'est un bordel. Il s'appelle Rolk, ou Rollo, dans ma langue. Parle-lui de notre nouveau plan et accepte la récompense qu'il te demandera. Il faudra peut-être le convaincre, car nous ne nous sommes pas quittés. Avec enthousiasme ou pas, il acceptera. Rollo. Est-ce que c'est Rollo ou Rollo ? Rollo ! Pitié, je ne suis qu'un pauvre frère chrétien qui n'a plus rien à donner. Il y a quelqu'un à la porte, Rollo. Oh, est-ce là un que j'ai demandé ? C'est un fou. C'est Street qui m'envoie. Ah, vraiment ? En tant que cadeau d'adieu à l'homme qui lui a pétri la chair, hein ? Non, je suis venu te chercher. Est-ce pressé ? Hey ! On doit ramener celui qu'on appelle Rollo. Les hommes du roi veulent lui poser quelques questions. Non, 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 non ! Un petit instant. Mais on va t'aider, Rollo. Bonjour à toi. Entre. Oups. Allez, vite. Je te laisserai apprécier. Pourriture de Danois, ouvrez cette porte. Dehors, vite. Suis-moi. C'est un ouf, le mec. Nous avons trouvé ton campement, vermine danoise. Tes amis sont en train. Personne ne viendra à ta rescousse. Trop de monde. C'est peut-être vu, mais toi t'as une face de porc. Je vais t'arracher le. Hus. Hus. Voilà, bonne chose de faite. Street ne mentait pas. J'ai plein d'ardeur. Et tu es qui pour Street ? Rien qu'un ami. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. À ta manière de parler, tu viens du Nord. Alors tu dois me pardonner. Ces Saxons savaient où était mon campement. J'ai commis la folie de laisser mes hommes en arrière. Va t'occuper de tes hommes s'il le faut. Mais dis-moi où te retrouver. Au nord-est d'ici, près de l'embouchure du fleuve. Suis-moi où... Ok. Du coup, on va faire ça, je pense. Passage. Mais pour être franc là, les quêtes m'ennuient un petit peu. J'avoue. Donc je vais peut-être pas continuer longtemps. Je vais peut-être suivre sur des BD en tueur parce que. Quelle heure est 18h, ouais. Avant d'aller manger tranquillement. Parce que là, c'est pas folichon quoi. Bon, Rollo a l'air fun. Et j'ai dit fun en 2021. Je sais pas s'il y a encore des petits bavards là qui traînent sur le stream. Je vous tiendrai compagnie avec grand plaisir. Elle est encore là, ma petite Gwendo ? Oh, ça, ça... Ah non, ça va, il a l'air juste là. Oui, ça va. Voilà. Ok. Personne fait ça. Bon, allez. On va accélérer un peu le mouvement. Mais ouais, vraiment pas folichon, hein, là. Les quêtes, les trésors. Tout est chiant ici.
camp, El Famoso camp. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils attachés? Ah. Ok, je crois que j'étais bugué, ça va. C'est pire que ce que je pensais. Tant de gens sont morts. Et ceux qui restent sont prêts à s'entretuer. Pense-t-il qu'il y a un traître parmi tes hommes? L'Orc et Geryll ont été à mes côtés toute la saison. Ça me peine de douter d'eux, mais des gens ont été capturés et mon navire n'est plus là. Épargner un traître, c'est tous vous mettre en danger. Laisse-moi leur parler. Un innocent n'a rien à cacher. Très bien. Mais ne laisse pas Loki te murmurer à l'oreille. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo, les Saxons nous ont attaqués. Et ces deux-là étaient un... Comparer leur version pour être utile. Ils ne nous ont pas... Geryll, n'est-ce pas? Oui. La sœur d'armes jurée de Rollo. Je le sers avec... Tu n'étais pas là quand les sacs... J'étais en train de chasser. Il y a du très bon gibier dans les bois. Et qu'as-tu chassé? Des lapins pour le ragoût. Le... Ok. Qui es-tu pour Rollo? Je suis lié par le bouclier. Tant que l'Angleterre et cette sorcière Franck ne l'écartent pas du droit chemin. Tu sembles jalouse. Mais de qui? Tu ne sais rien, bec de corbeau. Je me soucie de... Ok. Ce sera tout pour l'instant. Trahi, Aké. L'Orc, c'est ça? Donne-moi ta version. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? Alors apporte-moi de la bière. Où étais-tu quand les... Je chassais le lapin, d'accord? J'en ai assez des carottes et des navets. Et... Tu as vu quoi que ce... Geralt, qui parlait avec un Saxon. Je n'ai pas entendu, mais une chose est sûre. Pourquoi te croirais-je? Tu n'as qu'à lui demander. Elle se dit loyale envers Rollo. Ça fait longtemps que ton épée est... J'ai prêté un serment de sang à son père. Tant pis si ça m'oblige à torcher le cul de Rollo. Et si Rollo venait à mourir, tu serais libéré de... Un jour, je festoirai dans la halle d'Odin. Pour l'instant... Ok. Ils ne sont pas trahis, Aké. Geryll est ma sœur de bouclier. Et l'Orc a toujours bien servi mon père. L'Orc? Bah pour non. Pour l'instant, on dirait que les Saxons n'ont pas capturé tout le clan de Rollo. Tu as pris ta décision? Geryll, comme l'Orc prétend... Elle chasse rarement. Depuis qu'on est enfant, elle tient... Ta sœur de bouclier est jalouse. Elle trouve que tu négliges... Elle a toujours eu de l'ambition. Mais a accepté mon commandement. Et a juré sur son bouclier. L'Orc a dit qu'il chassait, mais vos râteliers sont... Pourquoi mentirait-il? Il est là de son serment de sang. Il est âgé et fragile. Mais il a bien servi mon père. Alors, tu es... En effet. Je t'écoute. Dans tout. Ouais, je la sens pas, elle. C'est Geryll. Non, ce n'est pas vrai. Rollo, je t'en supplie. Coup de marteau. Boum. Une mort teintée de honte en terre saxonne. Il ne peut y avoir de Valhalla pour un brise. Elle a toujours été une corneille envieuse. Piquer du bec chacun de mes chevaux. Il n'y a plus rien à faire ici. Et tes je pense juste le bon. Toujours en vie. Les Saxons ont un campement avec un quai à Port Walton. J'ai toujours su qu'elle n'était pas digne de confiance. Ok. J'ai le cœur déchiré. Moi j'ai un cheval sinon là. Quelque chose d'utile à faire. Tambour. Trop bien. Trouver les Danois à les libérer. De toute façon, ça va être vite vu, hein. Cet endroit est très bien gardé. Non, lui, il a un bouclier, c'est chiant. Oh hey, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attends. Voilà. Va te péter la cloche. Boum. Non.
Ça, il est pas mort. En cage, comme des ma gueule. En cage comme des poules. Ouais, bon. Go. 7 personnes sur le stream, putain. Faites du bruit, les mecs. Hein. Ah oui, une tease. Hop. Flash, je suis full. Porte qui se referme tout seul, on adore. Détruire le campement. Ok, détruisons. Hein. Genre comme ça. Ils sont avec nous, ouais. Ah, faut que je les pousse. Les hommes de Rollo sont libres. Reste à discuter des termes de l'enlèvement. Ok, il faut préparer le navire. Ok. C'est manier la hache, Rollo. Ne doute pas de moi comme l'ont fait ces esclaves saxons, nourrisseurs des corbeaux. Tu as fait preuve d'une grande loyauté envers les tiens. Continue, et ton nom comme tes prouesses seront connues de tous. Merci du conseil. C'est mon plus cher désir. Si c'est la renommée que tu cherches, alors aide-moi. Je connais une tâche qui fera résonner ton nom dans l'escalier. Oh, je t'écoute. J'ai besoin de quelqu'un qui possède un étalon des mers rapide et en bon état pour emmener Dame Estrid en Francie. Un autre enlèvement? Quand Estrid a une idée en tête. Très bien. Triomphons à deux là où un seul a échoué. J'ai besoin de pouvoir être sûr de toi, quelle que soit ta passion pour Estrid. Nous avons passé de bons moments, mais ils sont derrière nous. Tu peux compter sur moi. Et elle aussi. Nous retrouverons tes hommes hors de Colcestre le soir de la fête du Lamas. Ok. Je peux descendre, faire paf, paf. Tu veux faire des games après? Plutôt ce soir, si ça te dérange pas. Genre après manger, si t'es dispo. Je sais pas si t'avais des heures, peut-être que tu peux pas. Peut-être que t'es pas dispo. Allez, quelle heure? 10h30. Ouais, j'aurais dit un peu plus tard si ça tirait. À quelle heure? 4h30 réveillée pour le taf. Wow, c'est l'enfer ça. T'es quoi? T'es infirmière, truc comme ça, être soignante? Dieu se fiche complètement de ta vie sentimentale. Je m'y connais un peu. Vraiment? N'as-tu pas plutôt... Quel important. En effet.
surtout que les enfants du village jettent des... Donc, tu as besoin de quelqu'un pour... Fais-moi grâce de tes bons mots. J'ai quelqu'un, et nous nous sommes... Alors tu vas l'enlever, et faire ça bien. Ça... Attends. Tu le reconnaîtras, ses cheveux roux. Et essaie de ne pas tuer... Je vais lui préparer un poulet rôti. Ou peut-être un ragoût, tiens. What the fuck? T'aurais aimé, du coup tu fais quoi? Sans indiscrétion? Après tu peux me dire va te faire foutre, ça te regarde pas hein. J'ai pas compris ce que je dois faire. Allez, Oust, et ramène-moi mon bien-aimé. Le roux là, mais... Je sais pas où il est moi. En fait, celui que je cherchais est dans la tour. Bah... What the hell? Si c'est une tour, donc je suppose qu'il y a une entrée quelque part. Là. Ah ouais, ok. Bah oui, du coup ça explique pourquoi tu dois te lever tôt. Chiant. Bah du coup c'est bien parce que ça te fait avoir ton après-midi. Faut voir les bons côtés, tu vois. D'après-midi, ouais, mais genre ça dépend quoi. Merde, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je sais pas par où je suis rentré. C'est par là. Il y a bien un truc là, mais je vois pas d'entrée. J'ai pas vu si en haut il y avait un truc à casser. Rien cassé. Hein. Compliqué hein, là les trucs. Franchement, j'aime pas du tout cette région. Tout est chiant. Franchement, tout est chiant. Pas se mentir. Bon, s'il y a des trucs comme ça, c'est qu'il y a obligé un passage.
maintenant où? Je crois que j'ai déjà regardé vers là. Je vais pas chercher longtemps, je crois que j'ai encore le truc sur les... Ouais, je recule trop là. Et là, il y a quelque chose là de ce côté, je crois que je fais ce côté de la tour. Je sais pas si c'est ça. Bon alors apparemment je verrai le chemin du haut de la tour. J'ai peut-être une idée. C'est ça, voilà. Putain, c'est compliqué. Pas évident. Là. T'as Gwendo, t'as un casque, un truc comme ça pour jouer DBD? Sinon ça va être chiant. Si on peut pas parler. Pourquoi je l'ai pas vu sur la map celui-là? Ah si, c'est celui-là. L'accès à cet endroit est atteint. Ta mère.
Oh, espérons que... Oh, ça se casse, non? Ouais, mais ça marche, on fait ça, mais Du coup, Gwendo, juste t'as un casque du coup? Tu m'as pas rep. Pour qu'on puisse parler, si on peut pas parler, ça va être la merde. Après, rien nous empêche de faire des games, mais ce sera mieux quoi. Yo, Clem Malak. Malak comme dans Star Wars, j'espère, hein. Sinon, je te goume. Désolé de te déranger, j'ai une question. Assassin's Creed, c'est solo, il n'y a pas de monde multijoueur? Alors non, il n'y a pas de multi. Le seul truc que tu peux avoir solo, là, tu vois par exemple, j'ai un truc qui s'affichait Venger Icaus. C'est deux autres joueurs qui sont morts. Genre là par exemple, tu le vois, merde. Là tu vois, il y a le cadavre, c'est un autre joueur qui est mort et du coup, je peux juste aller le venger et avoir un peu plus de points. Mais sinon, j'ai pas vu de multi, non. En même temps, c'est rare, hein. Merde. C'est rare les Assassin's Creed multi. Il y en avait un qui était pas mal, je crois que c'était Brotherhood. Avec un bon jeu multi, c'était vraiment pas mal. Je t'en prie, Clément. Je suppose que c'est Clément. J'espère, je me dis pas de la merde. J'ai pas de casque, mais je peux venir quand même en vocal avec mon tel. Ah merde! Catastrophe sans casque! Ça va être vachement dur de communiquer. Après, rien n'empêche de faire des games. L'autre côté doit être barricadé. Parce que même si t'es sur le stream, il y aura un délai. Donc je pourrais pas te donner les infos en live. Comment je rentre dans cette putain de maison? Faut investir dans un petit casque! Pas du tout, j'ai pas suivi le pas du tout, j'avoue. Ah oui, ok. Ok, c'est bon, je l'ai. Oui, oui, c'est bon. Ouais, tu mets ton phone et tu te fous en vocal avec le phone. Ouais, si t'as des écouteurs, ça fait le taf. Hein. Ça fait clairement le taf. Juste pas que j'entende le son de ta télé et puis on est bien. Mais c'est mieux, ouais, franchement c'est mieux, sinon c'est la merde. Putain, Clément, il a pris ses infos, il est parti. Il aurait pu lâcher un petit follow des familles. Les escrocs, punaise. Que des escrocs par ici. Commence pas à faire le mec difficile. Moi difficile. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. C'est toi, fais pas la meuf difficile. Non mais oh. Fida se souviendra d'un amant aussi ancien. Pas moi en tout cas. Non mais ouais, on pourra tester carrément. Mais du coup, il est quoi, 10h40? Ouais, après si tu te lèves à 4h30, c'est chaud. Là, je t'avoue que je voulais au moins finir ça. Donc j'aurais dit... D'ici, ouais... 30-40 minutes, quoi. Peut-être un peu moins, si ça te va, hein. Après, sinon, une autre fois, hein. Pas pressé, de toute façon. DBD, c'est le jeu. J'y joue tout le temps. Des fois, je fais des pauses, mais.
C'est le jeu qui revient dernière tout le temps. Maison de Meldon. Alfida devrait être là. Commence pas à faire le mec difficile, elle m'a dit. De toute façon, je te dis, si jamais je coupe le stream, si jamais t'es pas là et que je te vois coach, je t'envoie un message Accroche, sur le PSN. Viens voir mes marchandises. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Prudence et merde, ce sera... Ah, c'est bon. Comment je rentre dans cette maison de l'enfer encore? Même si je suis pas coach, tu peux... Ouais, ok, ouais, pareil. Ok, c'est bon. C'est jamais pareil, hein. Putain, il me faut une bombe. Une bombe. Allez, une bombe pour que je fasse le terroriste là, putain. Je l'ai tué sous les yeux de son pote. Merde. C'est chiant de pas avoir un truc. On devrait pouvoir repérer les bombes. Qu'est-ce que tu vois? Grâce à Sinine, quoi. À la fin, on est venu chercher. Laissez ce gamin penser, s'il plaît. Bain de pied. Ah, y'a rien. Hein. Je vois pas de mine par là. Et ça marche toujours pas. Hein. Oh putain, si ça marche ça! Ouah, mais ça va me sauver la vie. Ouais, mais maintenant que je sais ça, wow, ça va être trop fort. Du coup, on avait dit où elle est là? Yami. Dans la cape Bessa. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Quelqu'un a interrompu la préparation du souper. Un enlèvement. Ou une fuite. Chips. Ouais, je vais juste répondre au message entre deux. Du coup... Inspecte les alentours, Céline.
Sénine. Il y a un truc que j'aurais zappé dans la maison. Ah ouais, carrément. Un deuxième lit. Alphida ne vit pas seule. Laisse-moi tranquille. Tu as ma sœur. Ça ne te suffit pas? Du calme, petit. Je ne suis pas avec eux. Un Danois en Essex? Eh bien, voilà une journée qui sort décidée. Comment t'appelles-tu? Je suis Elurich, l'homme de cette maison. Je cherche ta sœur. Pourquoi? Nous n'avons pas d'argent. Et ma sœur a largement passé l'âge. Sais-tu où ils retiennent Alphida? Un autre enfermement royal. Au camp de Je vais l'amener à la maison du lac, au nord d'ici. Tu peux nous y... Si tu jures de la retrouver... Pardon. Ah ouais, ok, ouais. Bon, du coup, par contre, je pourrais faire tout le long. Mais franchement, la flemme, je veux pas le faire là. Donc, je vais m'arrêter. Gwendo, t'es encore là? Tu me dis? Juste Halloween en merde. Impossible de sauvegarder, hein. Putain. Pas l'impression. Ah, c'était là. Nickel. Bah vas-y, si tu veux, on joue un peu. Si tu veux, on joue un petit peu. Je quitte. Et je t'invite parti dans 5-10 minutes, c'est bon. Je quitte le stream du coup. Toutes.